le monde, c'est Letty. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Je vous emmène aujourd'hui avec moi pour la réalisation d'un marque-page. Pour la base de ce marque-page, j'ai choisi un papier épais puisque c'est un papier 300 g. Et sur la largeur, je vais couper une bande de 6,5 cm de large et je garde donc toute la hauteur de 21 cm. Je vais travailler le fond avec des distress, mais comme je veux garder un petit cadre, je positionne de l'adhésif tout autour pour que cette partie reste bien blanche. Je veux créer un fond marin sur ce marque-page. J'utilise de la Distress Oxide Tumbled Glass et je fais un aplat sur les 3 quarts, même les 4 cinquièmes de ce marque-page. Je veux rester assez douce sur ce tumble glass puisque l'idée c'est juste que l'on voit en transparence au travers de la poudre embossée que je mettrai par la suite le bleu ciel apporté par cette tumble glass et le reste sera contrasté par une autre encre Distress Oxide dans un bleu plus soutenu. Pour la partie sable, toujours de la Distress Oxide mais cette fois-ci dans le coloris Frayed Burlap. Pour la partie mère de cette réalisation, je vais utiliser le tampon Ondes et Écumes que j'ai dessiné pour Crazy Little Craft. Et pour ça, je vais l'embosser avec de la poudre embossée transparente. Là, je vérifie que mon fond distress est bien sec, donc je verse de la poudre et si elle ne tient pas, c'est bon, c'est que je peux y aller. Je vais placer le tampon et je l'ai dessiné de telle manière qu'il puisse être répété en haut, en bas, à droite ou à gauche sans aucun problème. Bon là, le problème se pose d'autant moins que, étant donné la largeur de ma réalisation, je ne vais le répéter que sur la hauteur. Je le tamponne une première fois avec la Versamarque. Je verse la poudre et je fais fondre. Et une fois que c'est bien refroidi, je peux passer au tamponnage de la partie suivante. Pour replacer le tampon, je fais coïncider le haut de mon motif avec le bas du motif précédent puisque, comme je vous l'ai dit, je l'ai dessiné de telle manière que tout corresponde parfaitement. Et à son tour, Versamarque, poudre et je fais fondre. Je peux répéter le motif une dernière fois. Bon, la fois d'avant, ça avait un petit peu bougé, je l'avais placé correctement, mais quand j'ai soulevé le couvercle, ça a un peu entraîné le papier et ça avait décalé le papier en fait. Donc là, je fais attention que quand je soulève mon couvercle, après avoir positionné le tampon, la base de carte, enfin la base du marque-page ne bouge pas. Et cette fois-ci, c'est parfaitement aligné. Pour créer une jolie transition avec l'espace sable, je vais tamponner le motif écume, qui lui aussi suit parfaitement le motif des petites vagues. Mais cette fois-ci, je vais l'embosser avec de la poudre blanche. Pour bien faire ressortir le motif des vagues, j'utilise une Distress Ink, le coloris Salty Ocean, que je passe par-dessus tout ce que l'on vient de faire. Alors pour celles qui débutent le scrap, on appelle cette technique le résist, c'est-à-dire que tout ce qui est protégé par la poudre à embosser, bien sûr, ne prendra pas la couleur, on verra par transparence ce qui est en dessous, et tout le reste va venir se teinter de la couleur de distress que l'on aura choisie. Pour enlever le surplus d'encre sur la poudre à embosser, il suffit de passer ensuite un petit chiffon microfibre, ça va enlever l'encre qui ne sera pas sèche sur la poudre à embosser et on retrouvera bien la couleur de notre embossage, notamment pour le blanc que j'ai fait au niveau de l'écume. De la planche de tampon à la plage, je vais utiliser les petites ondulations pour donner un peu de mouvement au sable et ça je le tamponne avec la Distress Oxide Gathered Twigs. On a deux motifs de petites ondulations et j'utilise bien sûr les deux. À l'aide du fichier de découpe numérique, je me suis créé plein de petits poissons. Je les ai découpés sur du papier Nina Solar White et je vais maintenant les tamponner à la Memento et vous avez compris que c'est pour une mise en couleur avec les feutres à alcool. Vous connaissez la technique par cœur, maintenant on positionne nos tampons, on les tamponne sur un papier de brouillon et on se sert du négatif pour bien centrer le motif et ensuite tamponner le motif principal. Alors, je suis restée très sage pour la mise en couleur, je n'ai rien fait d'extravagant, je suis restée dans des choses assez simples pour ne pas dire simplistes.
mais j'imagine déjà des poissons écriture avec le mini-fond, pas le mini-fond du tout, le tampon dialogue, pourquoi pas avec nos mini-fonds aussi, combinés pour leur donner de la texture. Enfin, il y a plein de choses à faire avec ces jolis petits poissons, mais ça, je vous fais confiance. J'imagine que justement votre imagination sera bien au rendez-vous. Pour pouvoir installer les poissons, j'enlève bien sûr le cadre. Alors je trouve ça toujours magique, même si ça n'est qu'un cadre blanc, j'adore découvrir ce qui est resté bien blanc en dessous du reste de la mise en couleur. Et j'organise mes petits poissons pour pouvoir habiller tout le fond de ce marque-page. Je les ai collés à la colle directement, puisque comme c'est un marque-page, on n'a pas besoin de beaucoup de relief, hein, il ne faut pas trop de relief. Pour le sentiment de la planche pause-lecture, je vais tamponner l'expression « voyage au fil des pages » et je vais utiliser à nouveau la poudre à embosser blanche en n'oubliant pas de passer mon petit coussin pour être sûr que l'embossage soit vraiment joli. Une fois mon embossage refroidi, je colle le tout sur un morceau de papier Colorie Craft. Alors pourquoi je le colle sur un morceau de papier? Déjà pour lui donner encore un peu plus de tenue à ce marque-page, et puis sinon j'étais obligée de découper le petit aileron, la petite nageoire du poisson bleu là, donc c'était dommage. Et en ajoutant ce cadre autour, ça fait un petit rappel du coloris sable et je peux garder mon poisson dans son intégralité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft, et d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.